Bonjour à tous, je me trouve ici, boulevard de la Liberté, à Châtillon, juste devant le Théâtre de l'Ampoule, le théâtre où se produit actuellement Dieudonné. Alors vous savez que Dieudonné rencontre beaucoup de déboires par rapport à cette salle. Et regardez ce qu'on a aujourd'hui, 15 à 20 policiers qui attendent devant la salle. Normalement, il y a un spectacle qui doit se produire à 20h30. Il est 18h30, donc on va voir comment ça va se passer. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Je suis attendu à l'entrée de... à l'intérieur du théâtre. Je peux rentrer ou pas? Je vais aller voir l'autorité qui est là-bas, le commissaire. Merci. Le commissaire, qui est-ce? C'est moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais... Je suis attendu à l'intérieur du théâtre. Je peux rentrer ou pas? Je n'attendrai aucune de vos questions, monsieur. D'accord. Ah ouais, donc on voit bien là qu'il y a des scellés qui ont été posés sur la porte. Jackie! Je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, je sais ce qui se passe. Un bal costumé. Voilà, exactement. Mais alors, c'est quoi l'histoire? C'est toi qui vas me dire. Il y a 15 policiers là, ouais. Il y en a une dizaine là-bas. D'accord. Et en fait, ils veulent faire appliquer l'arrêté oui. municipal de lundi. Oui, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Vous habitez le quartier? Oui. Vous saviez que Dieudonné se produisait dans ce théâtre? Bah oui, c'est la deuxième fois qu'il y a les flics. Hein. Ouais, qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Bah, ça me fait suer parce que j'aime pas voir les flics ici. Puis on a l'impression que c'est la fin du monde. Vient donner son spectacle. Ceux qui ont envie de venir le voir, ils viennent le voir. Ceux qui veulent pas venir le voir, ils viennent pas le voir. Ouais. Bah, c'est de la censure. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Mais on est dans un état comme ça maintenant. Et puis je trouve ça dommage de monopoliser autant de policiers et de CRS. Parce que là encore, c'est rien. La dernière fois, il y avait au moins 4 quarts de CRS pour lui. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Je croyais qu'il y avait un attentat, moi. Donc là, on a un article du Parisien qui est sorti cet après-midi et qui explique la chose suivante. Jean-Pierre Chostec, maire Les Républicains de la commune, a pris un arrêté en fin de semaine dernière qui vise à interdire l'accès à la salle. Une décision nourrie par le passage de la commission communale de sécurité qui a conclu que la salle ne respectait pas les règles propres à accueillir un public. Un arrêté qui permet à la municipalité de pouvoir poser des scellés sur la porte de l'établissement. Donc alors attends, parce que là il faut voir si c'est bien à jour. Donc celui-là c'est un arrêté du 29 juin 2018. Pardon. Pareil, là c'est 29 juin 2018. Donc on va voir. Donc là c'est encore un arrêté du 29 juin 2018. Donc en fait c'est le même arrêté qui est placardé devant la salle. Excusez-moi. Je cherche l'arrêté qui s'applique aujourd'hui, théoriquement. Est-ce qu'il est affiché ou pas? On va pas en faire de questions, monsieur. Ben, ça m'embête, parce que du coup, moi, je veux pouvoir le filmer pour... Appeler la préfecture des Hauts-de-Seine et ils vous répondront. D'accord. Et si je passe, là... Non, monsieur. Non? Donc, il n'y a pas d'arrêté affiché, et je peux pas passer dans l'allée privative qui est là, c'est ça? Donc, en fait, sur quoi se base votre action, là? Je vous invite à appeler la préfecture des Hauts-de-Seine, qui répondra à vos questions. C'est embêtant. Merci, monsieur. Donc là, vous avez vu la situation. Il n'y a pas d'arrêté municipal à jour qui est affiché là, et qu'on pourrait lire, et qui expliquerait leur action, en fait. Donc ils sont là, mais on ne sait pas pourquoi. Et je ne peux pas passer, je ne vais pas faire le test, hein. Ils vont m'empêcher de passer. Mais je ne peux pas passer dans l'allée privative qui est juste là. Et qui n'est pas concerné par cet arrêté municipal. C'est ça, monsieur, je peux pas passer dans l'allée qui est là. Hein. Monsieur, appelez la préfecture des Hauts-de-Seine, ils vous renseigneront. Mais donc si je passe, là, il se passe quoi? D'accord, ok. Voilà, donc c'est bien ce que je me disais, on peut pas passer. Pourtant, je précise que cette allée privative n'est pas concernée par l'arrêté municipal, je le répète. C'est important, et que l'arrêté municipal n'est pas affiché ici. Donc on a un petit souci, là. Ça va? Ouais, bien. Ah, et toi? Écoute, ça fait plaisir. Ouais, bien. Bon, bah, c'est toujours la même histoire. Ouais. Ouais, là, on est... c'est ce spectacle, l'émancipation. C'est la dernière représentation, là? Ouais, c'est la dernière. Donc, on va voir ce qui se passe. Hugues. Bonsoir. Enchanté. Hugues. Ah. Enchanté. Enchanté. Hugues, que la paix soit avec vous. Et avec vous aussi. Avec le beau temps et les arbres. Messieurs. Bonsoir. De l'ordre. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bonjour.
Bonjour. Alors, quoi de neuf aujourd'hui? Ce qui serait bien, c'est qu'on s'entretienne tous les deux, oui. Peut-être hors de place des caméras, en toute confidentialité. Notre présence n'est pas souhaitée. Il y a une journaliste là qui est peut-être plus informée que nous d'ailleurs. Vous avez des informations sur ce que serait l'arrêté ou les choses comme ça, ou les scellés, vous avez des informations parce qu'on n'est pas au courant, nous. Rien ne nous a été notifié. Un arrêté municipal. Oui, mais ça, il y a un arrêté municipal depuis le mois de juin. Ça, on le sait. Il y en a eu un nouveau. Ah ben apparemment non, c'est ce que vient de nous dire le commissaire. Apparemment, il y en a eu un nouveau la semaine dernière, suite à un contrôle d'une commission de sécurité. Oui. Et donc ils les autorisent à faire sceller juste sur la salle. Pas sur l'ensemble du bâtiment, mais juste sur la salle. Juste sur la salle. Ah oui, bah donc on peut rentrer, vous me confirmez qu'on peut rentrer dans l'allée? Ça, je sais pas. Ah si, vous êtes responsable, vous êtes journaliste. Vous êtes responsable de ce que vous dites quand même. Ça, je sais pas ce qu'on m'a dit. Donc. D'accord. Bon, bah apparemment la presse est d'accord. On peut y aller. Non, mais... Vous êtes de quel média? Le Parisien. Le Parisien, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait, Dieudo? Ben là, il m'a dit, le commissaire qui est là, donc qui commande ces gens, m'a dit qu'il allait voir, parce qu'effectivement, cette zone, ça pose un problème. Ça pose effectivement, vous avez lu l'arrêté? Parce que ça m'intéresse, non? Alors à moins que ce nouvel arrêté concerne aussi cet espace, mais je vois pas. Mais je vois qu'il y a des gens qui font de la danse. Oui, moi je suis là. Ah, on peut aller à la danse aussi. Ouais, peut-être ce soir. Ouais, je vais peut-être essayer la danse. Donc vous avez pour ordre de pas laisser passer qui en fait? Je réponds à la question. Oui, il y a plus d'autorité. Oui, mais c'est vous l'autorité. Ah, c'est ceux qui ont des petites barrettes. Bonjour. Vous êtes l'autorité? L'autorité là-bas. Mais qui a fait à l'autorité ici? Bizarre. Monsieur me dit que l'autorité est là-bas. L'autorité me dit là. Donc on a accès à quoi exactement? La danse? On a accès à la danse ou quoi? Non? Ah oui, ça tu peux. Ouais. Je vais pas là. Hein. Non, non, non. T'as droit. Ah, voilà ma fille. Comment ça s'est passé? Ah, chérie, sauve-toi. Ceux qui sont là pour la danse, c'est lesquels? Ouais, vous pouvez y aller, c'est par là. La danse est autorisée, allez-y. C'est la danse? Vous pouvez y aller, allez-y, allez-y. Ouais, allez-y. Vas-y. T'as le droit? Toi, c'est la danse? Oui, c'est la danse. J'ai vu vos têtes. La danse aussi. Qui est pour la danse? C'est la danse, bah vas-y, t'as le droit. La danse, t'as le droit. Mettre votre tête. Il a dit, c'est pas un danseur. C'est pas un danseur, il y a quelque chose qui est pas normal. Regarde, hop. Hop. Et voilà. Nolan a réussi. Donc Nolan est parvenu à, malgré tout, à rentrer dans l'espace qu'il y a devant la salle en passant par le garage qui est derrière. Peut-être que si tout le monde faisait ça, ça pourrait marcher. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Si elle peut sortir. Elle a bloqué la porte, on est en vidéo. Ah ben faut filmer là. Vous pouvez filmer. Parce que là c'est illégal. Vous êtes dans une propriété privée, messieurs, attention. C'est l'affaire Benalla là. Vous outrepassez vos droits là. Là vous êtes dans un espace privé. Vous êtes sur une propriété privée, messieurs. Voilà, faut appeler les avocats. Filmer, il y a voie de fait là. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire, là, c'est... Bon, ils sont filmés, hein. Heureusement, il y a des témoins, mais ouais, c'est un peu étrange, là, ce qui se passe. Ben, c'est ça qui est fou, ils sont rentrés dans la propriété privée. Ah non, ils sortent, là, au moment où... Non, mais ils savent bien que c'est interdit. Ben oui, monsieur, vous avez été filmé, là, c'est interdit, ça. Après l'affaire Benalla, on fait attention, hein. Il était lieutenant-colonel, l'autre, hein. Non, la situation est terrible, parce que il y a des gens qui sont dépassés par les événements. Mmh. Et ouais. C'est fou. Mais bon, moi, je propose qu'on passe par là. Vous êtes prêts ou pas? Moi, je suis prêt, hein. Allez, on y va.
ridicule, c'est que là, eh ben, on peut rien faire. Non mais. Non mais. Mais non, mais écoutez. Le ridicule de la situation, c'est quoi? Voilà. On est là maintenant, dans cette zone. Qui est une zone privée. Privée. Et évidemment, on n'est pas dans le bâtiment, donc on est fondé à être là. Tout est très flou. En fait, j'ai discuté avec le commissaire. Il me dit, je sais, monsieur, je n'ai rien à vous dire. J'ai dit, mais nous, on est chez nous, là. Il n'y a pas d'arrêté. J'ai dit, je sais, mais ils ne veulent pas. Ouais, pour ça, ils sont déplacés un peu plus, là. Ils vont venir te chercher Manu Militari. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas rentrer. Oui. C'est ça qui est fou. Donc ils se redéploient pour empêcher les gens de rentrer par là où on est rentré. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est les travaux en question ? Ouais, on est. Alors tout est. Je vous montre. Hein. Toute l'électricité a été refaite, il y a des extincteurs, il y a tout. Hein. Tout a été refait, toute l'électricité. Enfin, vous voyez. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, on était à la main d'or, c'était dangereux, je dirais, cet endroit. Là, on est dans un endroit sain, où tout est... Bon, alors, évidemment, il y a encore à tirer des câbles, là, des machins, mais bon, tout ça, ça se met en place, quoi. C'est ridicule. En fait, on veut te censurer... C'est ça. L'arrêté municipal concerne tout le bâtiment. Tout le bâtiment. Et là, ils l'ont restreint uniquement à ma partie. Tu vois, pourquoi ? Voilà l'arrêté, super arrêté, écrit sur un petit bout de papier. Voilà. Donc ça, c'est ça. Arrêté du maire de Châtillon le 21 1er juin. Donc c'est aujourd'hui à 16h. Hein. Mais c'est quoi ce truc ? Aujourd'hui à 16h. Mais qu'est-ce que c'est ? L'adjoint du maire a écrit sur ce papier, en application de arrêté du maire de Châtillon le 21 septembre. Donc il y aura un arrêté, mais on l'a pas. Donc tant qu'un arrêté n'a pas été notifié aux gens, ça n'existe pas. Et je ne pense pas que l'arrêté concerne l'allée. Quoi. C'est toujours ça le truc. Et c'est vraiment l'illégalité absolue. Et c'est la violation de la propriété privée. C'est quand même un truc hallucinant. Et d'ailleurs, il suffit de voir leur comportement pour comprendre que c'est... Le gars, il ne sait même pas, il appelle, il dit « Mais non, on n'a pas droit. » Mais l'autre, mais fais ce qu'on te dit. Bonjour, bonjour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout ça, ce sont des figurants. On tourne, on fait un court-métrage. On a demandé à des jeunes recrues comiques de nous accompagner. Tout à l'heure, ils vont faire des claquettes. Donc là, je vous le rappelle, on est à l'intérieur de la propriété privée, donc le théâtre de Dieudonné. Simplement, la partie extérieure qui est celle-ci, regardez, donc c'est une bande de à peu près 5 mètres de large où Dieudonné se produisait. Cet été, lui se positionnant au niveau de l'escalier et le public ici devant lui. Et ça, normalement, c'est autorisé, puisque ce n'est pas interdit, par l'arrêté préfectoral en question. Mais les policiers, qui ne peuvent pas rentrer dans la propriété privée, même s'ils l'ont fait tout à l'heure, empêchent le public de rentrer dans cette bande que vous venez de voir. Voilà la situation. Donc en fait, des lumières se sont allumées là où Dieudo va faire son spectacle, et les gens forcément se rapprochent de la scène improvisée. Le problème, c'est qu'il y a quand même 200 personnes environ. On va voir comment ça se passe. C'est vrai qu'on en a vécu des moments un peu uniques, mais celui-là, il est quand même unique. C'est-à-dire que j'ai les forces de l'ordre, le public et moi sur scène. Ça va être étonnant, ça va être étonnant. Salut! Ouais, Colonel! Il a fait une Colonel! Retenez-vous, ami policier, vous n'avez pas droit. Mais là, aujourd'hui, je suis un niveau, je ne contrôle plus rien. Jusqu'au sommet de l'État, le président, le premier ministre, ouais. Ils ont dit, Alors au début, tu sais, j'ai dit, ben va te faire enculer pour voir.
Et là, ils m'ont dit, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc ils m'ont déclaré la guerre, une guerre dans laquelle je n'avais que le rire, moi, à leur opposer. Et eux, ils sont pas marrés. Hein. Donc là, on arrive à un niveau... je vous l'ai dit, vous êtes tous, avec la place que vous allez, hein, réinvités la semaine prochaine, hein, dès que les travaux sont prêts. Mais je tenais à vous parler, à vous faire un bout de spectacle. Parce que je les emmerde, quelque part. Ah non, il dit concentre-toi, putain. Mais c'est énervé, ça, j'ai pas compris. Un tel de farlon de la haine. La haine. Dans un contexte particulièrement explosif. Au sens C4 du terme, monsieur le professeur. Alors évidemment, les conditions n'étaient pas exceptionnelles, mais la situation était exceptionnelle et je suis certain que vous vous en souviendrez longtemps. En tout cas, moi, je m'en souviendrai longtemps. Vous êtes tous... tous ceux qui ont leur biais, on va vous tenir au courant et dès demain, vous serez réinvités dans des conditions beaucoup plus favorables et notamment sur le prochain spectacle. Alors, Dieudo. Super, pareil, bah, t'es là à chaque fois pour des moments incroyables, uniques. On est un mercredi, les salles de Paris sont vides et les gens sont dans la rue et ils applaudissent un mec sur un local à poubelle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?